Merci Madame la Présidente. C'est un honneur, un privilège de débattre de ce projet de loi mettant à jour la loi sur la radiodiffusion. Aucune mise à jour n'a été faite depuis 20 ans et c'est grand temps qu'on qu en fasse une. J'ai vu beaucoup de changements se produire depuis les 20 dernières années. J'appuie les règles de contenu canadien. Il est important d'avoir des plateformes où l'on peut diffuser des contenus différents pour entendre des voix différentes et je sais que le contenu canadien peut être avantageux pour les Canadiens. Dans les années 90, j'ai travaillé dans un studio qui s'appelle Vivo Media Arts, un centre d'artistes qui donne accès à toutes sortes de ressources pour les producteurs vidéo et j'ai formé des gens pour qu'ils apprennent à euh, utiliser les nouvelles technologies vidéo numériques. Et beaucoup ne se reconnaissaient pas dans le contenu produit à l'époque, des autochtones par exemple, des jeunes, des gens euh, qui appartiennent à la communauté LGBTQ entre autres. J'ai formé de ces gens qui ont entrepris des carrières dans le milieu de la diffusion. À la fin des années 90, j'ai travaillé avec Dana Clarkson, une artiste connue du milieu autochtone. Kim Sue Goodtrack, sa sœur, avait écrit un livre pour enfants, ABCs of Our Spiritual Connection, qui parle des croyances spirituelles des autochtones de partir en Amérique du Nord. Kim a eu une idée pour une émission de télé et avec son frère, sa sœur, j'ai coproduit le L'émission pilote. C'était la première émission pour euh, à être diffusée sur APTN. Nous avons produit 64 épisodes de cette série avant d'en produire 39 pour euh, une émission pour pré-adolescents. Ces émissions visaient un public de jeunes, mais le partage d'histoires culturelles était intéressant pour les gens de tous âges. Et cette production n'aurait pas été possible sans les règles de contenu canadien. C'est important pour assurer la diversité du contenu. Si on laissait le marché dicter les règles du jeu, on aurait seulement des films qui s'inspirent de Disney par exemple et beaucoup d'histoires canadiennes ne seraient jamais vues à la télévision. Ce projet de loi vise à faire un rattrapage quant à la nouvelle réalité des médias depuis les deux dernières décennies. En 2007, j'ai téléversé mon premier vidéo dans YouTube et c'était une vidéo prise clandestinement de policiers de la Sûreté du Québec qui euh, tentait de déclencher une manifestation à Montebello au Québec, on les a démasqués et on a remarqué que leurs bottes étaient les mêmes que celles de ceux qui faisaient les émeutes. Ça a été une vidéo vue à l'international et YouTube est devenu un joueur majeur dans le portrait médiatique. Il faut en comprendre les effets. Une chose que les Canadiens veulent voir, c'est les Ce c'est de voir les grands gérants du Web payer leur juste part. Ils ne devraient pas seulement payer les taxes de vente sur la publicité qu'ils vendent, mais aussi les impôts d'entreprise sur le contenu qu'ils génèrent, sur les revenus qu'ils génèrent au Canada. Il y a aussi les entreprises en ligne dont il faut tenir compte et il faut les couvrir dans la loi. Pensons à Netflix, par exemple. Ces entreprises multinationales qui vendent leurs services au Canada devraient avoir à diffuser du contenu canadien et ou elles devraient contribuer à payer pour la production de contenu canadien. La santé de l'information au Canada est aussi une préoccupation, surtout pour les informations locales qui ne peuvent livrer concurrence à des entreprises comme Google et Facebook. Nous avons besoin des informations locales. Leur contenu est partagé dans les plateformes de médias sociaux qui vendent des publicités à côté de ce contenu, mais ne profitent pas des revenus qui sont générés. Les, les médias locaux doivent se conformer aux règles du journalisme, mais pas d'autres qui diffusent des nouvelles sur Facebook. D'autres diffusent du contenu qui peut être raciste, misogyne ou qui peut induire en erreur et les entreprises de médias sociaux devraient être tenues de respecter les mêmes règles que les radiodiffuseurs traditionnels. Sans ces exigences et avec une attente d'autoréglementation, eh bien, on se retrouve dans un endroit. Dans une situation où les médias sociaux ont une incidence sur notre santé mentale, créent des divisions dans notre société et ont un effet corrosif sur la démocratie. Il faut prendre des mesures pour assurer la survie des médias locaux, parce que sinon, la situation ne sera jamais équitable. Imposer les entreprises sur les revenus qui génèrent au Canada et rediriger une partie de ces fonds pour le contenu canadien serait une façon de faire. On ne devrait pas limiter la définition de radiodiffusion. Comme on l'a vu au cours des dernières décennies, le paysage médiatique continue de changer et le CRTC doit pouvoir réglementer les nouvelles façons de diffuser du contenu médiatique. Le CRTC devrait non seulement avoir la possibilité de réglementer les du Web, il devrait avoir le devoir de le faire, la responsabilité de le faire. Il existe des préoccupations quant au retrait d'un paragraphe qui dit que le système de diffusion canadien devrait être la propriété en partie de Canadiens. Je comprends ce que essaie de faire le gouvernement, mais nous devons nous assurer que le système de radiodiffusion canadien n'est pas susceptible à devenir la propriété d'étrangers. Beaucoup de productions nord-américaines sont produites au Canada, mais il ne s'agit pas de contenu canadien. Je ne sais qu'on ne peut pas s'attendre à ce que Disney Plus produise du contenu canadien fondé sur des histoires canadiennes, mais il devrait être tenu de financer des productions canadiennes. Spotify ne crée pas de contenu, mais devraient être tenus d'identifier le contenu canadien dans leur plateforme et devraient con contribuer à la production de contenu canadien en fonction de leurs revenus ici, au produits ici au Canada. Les entreprises comme Netflix, Amazon, Spotify devraient. Donner des moyens aux utilisateurs de trouver facilement le contenu canadien. La loi sur la radiodiffusion doit continuer à protéger l'aspect linguistique unique du Canada. Les radiodiffuseurs doivent produire du contenu dans les deux langues officielles. Du contenu original francophone ne devrait pas être fait au dépend du contenu anglophone qui est doublé et qui passe par du contenu francophone. C-10 propose de remplacer certaines conditions de licence actuelles avec des conditions de service qui interdiraient certaines mesures. Le public doit pouvoir interjeter appel de décision du CRDC. C'est le, les croix injustes. Peut être pas toutes les décisions, mais le processus de faire appel au cabinet devrait être maintenu dans le projet de loi. Ce projet de loi entraîne des changements à la loi sur la radiodiffusion qui me réjouissent, mais des changements laissent certains acteurs perplexes. On pourrait régler certains problèmes grâce à des amendements et d'autres problèmes peuvent être réglés grâce à de la réglementation, pensant notamment à imposer un impôt adéquat aux grands géants du Web. Madame la Présidente, je voterai en faveur du projet de loi en deuxième lecture et j'ai hâte d'entendre ce que les témoins ont à dire lors de l'étape du comité. J'aimerais prendre cette occasion, Madame la Présidente, pour vous souhaiter, Madame la Présidente, et à tout le personnel de la Chambre et à mes collègues, députés à la Chambre des communes, à mes électeurs, à mes commettants, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Question, commentaire? J'apprécie une bonne part des commentaires du député. Laissez-moi faire écho à, quelques, à un commentaire que j'ai fait récemment. J'ai souligné l'importance du projet de loi pour l'avenir, surtout au vu de l'évolution des médias au fil des ans. Il est important de protéger le contenu canadien. Comme l'a dit le député, c'est essentiel pour nous en tant que nation. Le député aurait-il quelques remarques sur les répercussions que cela peut avoir sur l'emploi, entre autres, un grand nombre d'emplois L'importance aussi pour bien des, bien des Canadiens talentueux d'un bout du pays à l'autre. Merci Madame la Présidente. Et merci au secrétaire parlementaire de sa question. J'ai travaillé dans l'industrie de la radiodiffusion en tant que producteur indépendant et je sais qu'on reçoit beaucoup de programmes des États-Unis et cela aide à subventionner l'infrastructure et à exploiter le talent canadien. Ce talent, ces talents, cette infrastructure sont utilisés pour du contenu canadien. Mais il est important de nourrir ce talent de veiller à ce que nos récits singuliers soient relayés j'ai été heureux de voir que monkey beach est devenu un film je suis heureux de voir que le contenu canadien est protégé par la loi le député de flanborough merci monsieur le président le projet de loi 38 pages compte couvre des, des amendements à la loi sur l'accès à l'information, la loi sur les élections, la loi sur la radiodiffusion, etc., etc. or, j'ai remarqué que la plupart des amendements visent à définir les poursuites Le député est-il préoccupé par l'étendue d'un projet de loi qui est minimaliste au bout du compte Est-ce que la Chambre des communes peut elle peut conserver un contrôle sans que ce soit tout au bon vouloir du CRTC Le député de Nanamo, je remercie le député de sa question. Il me semble important de couvrir toute une série de domaines avec le projet de loi. Pourquoi Parce que la radiodiffusion influence toute une série de domaines de notre vie. Le, il peut y avoir des effets sur la loi, sur les élections, influencer nos enfants. Il peut y avoir des effets nocifs, des effets nocifs pour notre démocratie, pour la force de nos communautés. Une, risque de susciter des divisions. Il faut que le projet de loi couvre bien des domaines. Je serais curieux d'entendre ce que les experts ont à dire. Question the, for South -West le député de South Okanagan West Kootenay. Merci Madame la Présidente. Merci au député de son discours. Je ne sais pas s'il a entendu la question de mon collègue de Kootenay Albany. Le, le contenu canadien, les nouvelles canadiennes mises sur Facebook par des médias canadiens qui ont du mal à se maintenir à flot. Facebook en profite. Les Australiens ont trouvé une solution à cet ce état de choses. Qu'en pense-t-il Le député de Lady Smith, the name of Lady Smith? en moins d'une minute. Merci Madame la Présidente et je voudrais remercier le député de sa question. Comme je l'ai dit dans mon discours, nous devons créer une situation équitable pour que les petits joueurs puissent être sur un pied d'égalité avec les gros joueurs, les énormes joueurs. Nous devons veiller à ce que le contenu partagé par les plateformes de médias sociaux qui, qui sous-tend les publicités devraient profiter des revenus engendrés par les publicités nous devons devrions protéger nos sources de nouvelles et de récits c'est important pour nos collectivités et notre identité comme canadiens et, reprise de débat